Hello mes jeunes Padawan, aujourd'hui on va parler de est-ce que c'est possible de perdre 10 kg de graisse corporelle pure en 21 jours. Je vais te donner mon avis scientifique par rapport à ça. Pose-toi tranquillement, poste un abonné, on y va, c'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Dian, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux me retrouver juste ici si tu viens d'arriver. Je fais une vidéo aujourd'hui, c'est le matin, et j'ai été spammé par des gens qui vendaient des programmes de sport. Donc moi je m'intéresse, j'essaie de voir qu'est-ce qu'ils disent et savoir si c'est intéressant. Donc dans son programme, il promet 10 kg de graisse pure en 21 jours. De la graisse pure, donc pas du poids, parce que le poids relie masse graisseuse et masse musculaire, donc masse maigre. Donc on va voir si c'est possible. Alors si tu fais un point de vue donc des calculs, pour perdre 1 kg de masse grasse pure, on est aux alentours de 700 kcal de déficit, à peu près. Okay. Ensuite, en partant de ce point de vue-là, tu veux perdre 10 kg de graisse pure en 21 jours. Donc tu fais 7000 x 10, donc ça te fait 70 000 cal de déficit calorique. Tu divises ça par 21, ça te fait 3333 de déficit calorique par jour. Donc imaginons que tu es une femme et que tu as un métabolisme, enfin un déj, donc dépense énergétique journalière, à peu près aux alentours des 3300. Imaginons, parce que ça c'est à peu près ma dépense calorique, moi. Donc pour un homme, 1m77, 81 kg, je suis à 12% de masse grasse, donc pour te situer. De base, les femmes sont à peu près aux alentours des 2000-2500. On part de ce point de vue-là. Ça veut dire que chaque jour, tu es en négatif pendant 21 jours. Est-ce que c'est possible de faire ça? Je t'invite à me donner ta réponse juste en dessous. Donc, en soi, perdre 10 kg, donc on parle de kilos, ça peut être possible parce que kilo, masse grasse plus masse maigre, mais de la masse grasse pure, mon jeune Padawan, c'est impossible. Même si tu fais 80-90 kg, c'est pas possible. Donc, si tu vois ce genre de truc-là, tu sais. Tu te casses. Tu cours le plus vite que tu peux, tu bloques, tu mets en spam parce que ça n'existe pas. Et c'est à cause de ces gens-là que la perte de poids, les gens pensent que c'est compliqué. On va te parler d'inflammation cellulaire à l'intérieur de tes organes, etc. Alors oui, quand tu es en surpoids, tu es enflammé, mais il n'y a rien de nouveau. Mais quand tu vas commencer à perdre du poids, tu vas te désenflammer. Voilà, c'est tout. CQFD, baby. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas possible de perdre 10 kg de masse grasse pure en 21 jours. It's a fucking bullshit. Can you smell that? What is that? Sheep, is it? It's cows? No, I know what it is. It's bullshit. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ce genre de régime juste en dessous. On fera un plaisir de dialoguer ensemble. Tu as mes deux anciennes vidéos qui s'affichent juste ici. Tu peux appuyer sur ma gueule pour t'abonner. Et je te retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien.